va et toi? Ouais, ça va, ouais. T'as suivi ce qui s'est passé avec Macron ou pas? C'est grave, hein. Ouais, de ouf. 135 euros d'amende. Tu peux, si t'as récidive, c'est 1500 euros d'amende. Attention, Lisa, on sort pas aller voir tes copines, là. Finir 6h. Ouais. Il est marrant, le couvre-feu. Ouais, c'est dingue, quoi. Fallait regarder parce qu'il y a d'autres annonces. T'es vers où, toi? Dans le 77. Ah ouais, donc t'es concerné, t'es... moi j'ai dans 93. Mais c'est tes vrais cheveux? Ouais, bien sûr, regarde ça. J'ai mes racines juste en dessous. J'ai fait un lissage brésilien, là. Je les ai teintés aussi. T'aimes bien? C'est votre vrai cheveux. Ça te plaît? Vas-y, on match, on va se parler en DM tout à l'heure, là. Après ton live. Attends, je veux savoir si c'était vrai cheveux, parce que si c'était vrai cheveux, là, ça va être tendu quand même. Hein. Pourquoi? Ça te plaît pas? Ouais, t'as un mélange entre Paloma et Nicolas. Par contre, tu pourrais montrer un peu plus ton visage, parce que je sais pas pourquoi où tu fais une demi-face. Vas-y, tu m'as saoulé, tu me prends de haut. Vas-y, putain, ça me casse les couilles, ça. Quoi, tu vas faire quoi? Rien. Je comptais rien faire. Bonjour. Oui, ça va, moi aujourd'hui, je vois ça. Mais c'est qui, lui? Là, c'est de... comment il s'appelle? C'est de la semence, c'est quoi? Je sais pas comment il s'appelle. C'est ça. Avec du cul, en fait. Roger, c'est de Roger. Ah, c'est d'accord. Oui, et moi, moi l'après-midi, j'étais comme ça, moi. J'étais comme ça. Et bourré, moi. J'étais comme ça. Mais ce soir, moi j'étais comme ça et comme ça. Si c'est un personnage qui joue, il le joue tellement bien. Dis-moi, c'est ton vrai nez ou tu l'as refait? Mais toi t'as un problème, toi mon pauvre. Ah, je peux te dire que c'est pas moi qui... Mais encore, t'es sérieux? Au revoir. Mais t'es sérieux? Mais il les règlements a un de problème, ce gars. Pas le physique. Wampel. Wampel. Kala. T'as vu quoi là, toi là? Désolé. J'aimerais bien l'avoir la fée comme ça là. T'as vu quoi? Il a une planète Mars aujourd'hui, non? Désolé, Sandrine, j'aimerais bien sortir avec toi, désolé, voir des dessins animés avec toi le matin, son goulis. Ouais, c'est beau le Maroc, hein. Tu es d'où, Nicolas? Moi, j'ai le couvre-feu, je suis dans le 93. Ah, le 93, comme mon copain, alors, du 93, il est. 93, ton copain, là où tu peux voir le copain? Il est du 93 aussi. Peut-être tu le connais, hein. Va savoir, Nicolas. T'as fait ta bobini. Alors quoi? Désolé. Tu fais quoi? Tu cherches quoi sur l'appli? De quoi, Nicolas? Tu cherches quoi sur l'appli? De l'amour, du sexe ou du cul? Rien du tout, je cherche. Juste de discuter, tranquille. Tu cherches du fun? M'appelle Kélak, appelle-moi! Juste discuter, je t'ai dit. On va discuter de la... Non, du tout. Désolé pour toi, Nicolas. Ouais, te revoilà, toi? Ouais, salut, m'en revoilà. Ouais, salut, m'en revoilà. Ah, t'es mieux comme ça, quand même. Désolé. Hein. En fait, je fais une expérience sociale. En fait, je fais une expérience sociale. Et t'as bien géré, hein. Je pensais que t'allais vraiment. Et finalement, t'as pris le soin de parler à ce personnage que je jouais, qui est un handicapé. Mais moi, tu fais ça de cool, hein. D'accord, très bien. Ok, donc ça, j'étais pas au courant. Mais ouais, hein. Tu es quand même quelqu'un de sociable. Ouais, alors je voulais savoir. Alors, t'es là vraiment pour le fun ou t'avais. Parce que j'ai vu sur la photo, t'es avec ton petit copain. C'est vraiment le tien? Pas, moi, je suis là juste pour discuter, tranquille. Je pensais que c'était pour chercher un plan A3 ou... Pas du tout. En tout cas, tu me plais. En tout cas, voilà, je tenais à te le signaler. Mais oui, mais écoute, hein, moi, je suis quelqu'un... je suis fidèle. Ouais, mais tu peux être fidèle en amour, mais dans le sexe, enfin, il peut se passer des choses. Non. Vraiment? J'ai tout ce qu'il me faut. Entre nous, tu t'es jamais laissé tenter par un mec le temps d'une soirée? Non, même pas pour une soirée, du tout. Dans une boîte, dans les toilettes, tu sais, non, jamais? Non, du tout, non. Non, je suis quelqu'un de fidèle. Alors moi, je suis bisexuel, donc j'ai déjà trompé un mec comme ça. Peut-être, mais moi, non, franchement, non. D'accord, très bien. En tout cas, je te fais un bisou, on se retrouve après. Tu me matches alors ou pas? Non, je te matche pas. Allô? Tu m'entends? Ouais. Ah, salut. Ouais, juste pour te dire, je suis là en train de... Je regarde ton live. Franchement, il y a une bonne ambiance. Et juste pour te dire que t'as un super beau regard. Voilà. Je trouve que t'as des beaux yeux. Et n'en déplaise à certains qui sont là peut-être pour rigoler, sous de toi. Je tenais à te dire que t'avais un très très beau regard. Et voilà, je te fais un gros bisou. Bon courage pour ta quête de l'amour. Je sais pas ce que tu recherches. Bah, déjà faire connaissance. D'accord. Ok. Bah, moi, je suis célibataire. J'ai la trentaine. Donc. Et je suis originaire des îles, je pense que tu as dû le remarquer. Oui, j'ai remarqué. Au plaisir. Alors, j'espère que personne t'a embêté dans le chat, etc. Non, ça va, tout se passe bien? Si, il y en a un qui m'a demandé un truc, mais je l'ai viré. D'accord, fais attention parce qu'il est possible qu'il y ait des personnes étrangères hein, qui seraient intéressées par toi pour les papiers. Ça, c'est un fléau qui touche l'OVO, donc fais attention. En général, ils sont de type maghrébin et afro-noir. Ok, c'est gentil de me prévenir, mais je m'en suis douté. Bisous alors, bisous. Au
Ouais, c'était juste pour te prévenir que, à mon avis, le maghrébin ou l'afro noir, c'est celui qui vient de passer juste avant. Hein. Si t'as fait un compliment, certes, tes yeux sont jolis, ta bouche aussi, mais s'il a fait ça, c'est pour avoir les papiers, hein, je le sens. Je l'ai senti comme ça aussi. Ouais, ben je me disais bien. Goûtez au Kalashnikov, les gars. Ce genre de personnes sont là pour les papiers et on le sait, on le voit. C'est pas qu'on le voit à la couleur, mais presque. Ah non, mais dès qu'il a commencé à me parler de mes yeux et de ma bouche, je me suis dit, ça y est, lui, c'est les papiers qu'il veut. Ben oui, on voit ça dans le regard, de toute façon. Hein. Moi, j'ai des lunettes. Si tu veux, je les enlève. Tu verras qu'au moins, dans le regard, je suis pas là pour les papiers. Je suis blanc. Racisme, non ? Eh ouais, une femme qui rit, on connaît la suite. Hein. Femme dans son lit, ouais. T'auras du mal à mettre ton lit, hein. Je suis pas une fille facile. Ah, t'es pas une fille facile ? Je m'en doute un peu. Hein. Si t'as le visage aussi joli, c'est qu'il a pas été recouvert assez souvent. Ah bah oui. Ouais, ouais. On va la mettre dans son lit. Allez. Bah moi, je vais te laisser. Je voulais te prévenir, tout simplement. Hein. Elle m'a détruit. Ouais, c'est merci de m'avoir prévenu. Elle m'a détruit, littéralement. Ce regard. Bonsoir, Martine. Comment ça va ? Bonsoir, ça va bien. Très bien. Alors, honnêtement, je viens pas ici. Je viens ici, je fais le tour de l'OVU. Est-ce que tu connais mon pseudo ou pas, à tout hasard ? Bah, c'est Anis Tresco. Exactement. Alors, je suis un petit peu connu dans le milieu sur Internet. Je t'explique. Je gère une association pour ceux qui ont Alzheimer, les personnes atteintes d'Alzheimer, d'accord ? Et donc, je fais le tour de l'OVU. Je fais le tour de l'OVU pour sensibiliser les gens à cette maladie qui est terrible et éventuellement recueillir des donations. Donc voilà, je vais vous donner le site, c'est alz.org. Alors, c'est une entreprise familiale. D'abord, l'argent arrive à mon cousin qui le transmet à mon père, puis à ma mère. Et ensuite, tout est regroupé pour les personnes atteintes d'Alzheimer. D'accord ? Merci, je connais déjà. Tu connais déjà ? Mais c'est génial, c'est parfait. Je te laisse visiter le site et en parler autour de toi parce que c'est vraiment très important. Très, très important. Bah, je sais parce que je l'ai vécu. Ah, tu l'as vécu. Ah ben, c'est des douleurs atroces. Hein. Atroces. Très atroces. Comment vas-tu ? Coucou, Pierrick, ça va ? Tu penses que je me suis fait noir ? Je vais te faire passer un message. Je ne tolère pas le putain de racisme ! Le racisme, je ne tolère pas ! Je tolère pas ! Je tolère pas ! Je tolère pas ! Je tolère pas ! Ouais, excuse-moi, Martine, je me suis peut-être laissé emporter. Ouais, pardon. C'est toi le meilleur. Non, pas là. C'est toi la meilleure. Tranquille, et toi ? Ouais, ça va là. Je suis arrivé là. J'ai trouvé la femme là en France là. Je suis arrivé là. Ça va ou quoi là ? T'es d'origine de quoi là ? T'es d'où ? Ivoirienne, et toi ? Camerounais, on est de Yaoundé là. Ah, il y a ta soeur qui est ici. C'est vrai ? Lui est mort, si blessé, j'aime la bébinette. Ma lubrule ! Ça va. Pourquoi tu t'appelles biscuit allemand ? Ben, parce que j'ai envie de m'appeler biscuit allemand. Ah oui, d'accord. Non, je pensais que t'étais un biscuit qui avait cuit dans les fours allemands à l'époque. Ah bah ouais, tu as chopé toute l'histoire, t'as tout capté, c'est ça, exactement. Ah oui, d'accord. Sinon, tu racontes quoi, t'es où ? Là, je suis dans mon bureau. Tu fais quoi ? Là, je peux pas te montrer, j'ai une main dans mon slip et je me balade sur l'OVU. Nice, joli. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses ? Cette tête ! Elle est priceless ! Oh putain, cette tête ! Il va bien ? Avec ses lunettes. Ça va toi ? Je suis désolée, je lis ça à va, peine. Ça va, ça va. Dis, j'avais une question, il y a moins qu'on voie plus que la moitié de ton visage, parce que je peux te dire que là j'ai un gros chargement, il faut que je sorte tout. Oh, non. Ah merde alors. Bon vas-y, c'est pas grave. Ouais, c'est honnête. Salut, t'es la sœur à ma Il est en train de montrer à ses potes, c'est que sa meuf. Il est sérieux là. Bonjour. Salut, ça va ? Est-ce que tu veux enlever qui là le copo, s'il te plaît ? T'as fait quoi ? Bah là, je mange un chocolat chaud. Et toi ? Je suis posé dans mon lit parce que je travaille demain. Ouais, moi aussi je travaille demain. Et à quelle heure ? Je commence à 6h, je suis dans la gendarmerie. Dans la gendarmerie, tu te fous pas de ma gueule. C'est trop gros là. Bah non, pourquoi ? Tu fais quoi dans la gendarmerie ? T'as pas une tête à aller dans la gendarmerie hein ? Je travaille dans les bureaux. Ah bah t'as pas une tête dans la gendarmerie. Ah moi je suis secrétaire dans la gendarmerie. Alors je suis juste là dans les bureaux, je suis allé... Comment tu vas ? Ça va depuis le temps ? Ça fait plaisir. Complètement glucose ce qui se passe en ce moment, t'as vu sur le veau ? Ouais. Je sais pas ce qui se passe, ouais. Ouais, donc fais attention, il se trouve que tu peux avoir des arabajois qui traînent dans le coin. Non mais complètement, je te dis, on avait dit merde. On avait dit chier, putain. Mélissa, on avait dit putain, tu fais chier la merde quoi. Traîne pas avec eux, sérieux. Sans déconner.
Pourquoi t'as mis une perruque? Non, c'est une perruque, quoi. Hein, ça, ça me va bien, j'ai fait un lissage brésilien, Eric, pour toi. Je te dis pas, la semaine dernière, je suis allé à un showcase de Christine and the Queens, on m'a filé un CD, c'est Benoît. Excellent. Non, mais sérieux. Ça fait des bars. Non, sérieux, non, mais je te le dis, non, mais c'est vraiment une artiste complète, ouais. Ça va, Tatardo? Sinon, tu cherches quoi sur l'appli, quoi? Top délire, quoi. Non, je me tape pas d'ailleurs, je suis là pour faire des connaissances et pourquoi pas plus si elle finit, mais une relation sérieuse. Et toi, d'accord. Tu fais rien de spécial? Moi, je suis dans le marais, donc si tu veux venir à côté du BHV, j'habite pas loin, donc tu veux boire un verre en terrasse, quoi. Bah, enlève ta perruque, ça sera peut-être mieux. On ira peut-être prendre une petite salade de boulgour, je sais pas, ou du flocon enlève d'avoine. Enlève ta perruque si tu et tu gagneras des points, peut-être. Ok, regarde. Alors, tout de suite, tu l'enlèves, toi, hein. J'habite dans le 4 carré. Ah ouais, je suis dans le 4 carré. Ouais, ok. Moi aussi, t'inquiète. Aïe, aïe, aïe. J'ai matché, non c'est... Dis, je peux savoir ce que tu fais? Pourquoi tu... Wouah, il s'est fait daronner, celui-là. Ça va, Morgane? Ah, c'était fou, ça va et toi, Mélissa, comment tu vas? Bah, bien et toi? Ça va très bien, merci. Ah, j'adore, putain, je voulais voir la scène et là, tout de suite, il en avait, ouais, sa mère qui arrivait. Ah, c'était incroyable, ouais. Franchement, j'aurais bien aimé voir la suite aussi. Mélissa, alors, tu es d'où? Je vais regarder. Je voulais juste te dire, là, les 3-4 tontons du bled, là, qui sont passés autour de la table. Fais gaffe, je les ai vus il y a un mois sur un live sur Lovu. Ils avaient une blonde au milieu de la table en train de lui circoncire le clito. Donc, fais très attention à toi si tu veux pas finir comme ça. Fais attention à tonton du bled, l'autre qui vient, il doit venir de la Guyane, le black là, je sais pas quoi. Fais très très attention à ces gens-là, ils ont des rites particuliers. D'accord. Donc je vais t'envoyer un lien qui permet d'évacuer tout ce qui est rabat-joie, tout ce qui est, tu vois, tout ce qui est un peu basané. Tu me mets un petit match et je t'envoie le lien, ça t'évitera de tomber sur tous ces cassos, quoi. On envoie un message en privé, y'a pas besoin de match. Ah si, tu dois me match, faut que je t'envoie le privé, allez. Allez. En plus, c'est dégueulasse. C'est mon téléphone. Jonathan qui me dit qu'il est flic. Bah, tu me crois pas, wesh. Bah, non, je te crois pas, wesh. T'es pas flic. Pourquoi? S'il te plaît, est-ce qu'il voulait que je lui mette un match? Tu me craches ou pas? Je vais te montrer preuve police. C'est marqué police. Ah, oui, il est de la police. Ah, c'est facile d'avoir un porte-clés police. Hein. Je peux avoir le même. Hein. Bah, non, depuis que je suis de la police, c'est pour ça que j'ai un porte-clés police. Salut. J'aimerais bien me voilà. Hein. J'aimerais bien me blottir dans tes bras. Là, je vois que t'es sous ta couette. D'accord, ok. Je te plais mieux. Non, pas du tout, mais c'est pas grave. Ah mais tu crois que j'ai trop... Oh mais mon dieu. Ouais. Désolé. Alors ta daronne était engueulée parce que t'étais en train de draguer des meufs. C'était pas ma daronne, c'était ma compagne. Ah ouais, et tu reviens quand même à la charge. Ouais, c'est bon, je lui ai mis un coup derrière la tête, elle bouge plus. Bon, elle est où, montre? Elle est dans quoi? Tu veux vraiment que je te la montre? Bah ouais. Elle est dans le lit, là. Bah c'est pas grave, montre-la. Ouais, t'es malade ou quoi? T'es même pas habillée. J'ai mis un coup derrière la tête, elle s'est endormie. J'ai vite fait malaxer les fesses, puis je suis revenu. Je me suis dit, vas-y, il y a encore la grosse, là, sur l'ovo, faut que j'aille lui parler. Ah ouais, c'est non. Bien, écoute. Je me suis dit, je vais venir te reparler. Pas comme ça. Et pourquoi revenir me parler? Pourquoi juger au physique les gens? Toi, t'es un gros fou dans ta tête. Et toi? Rattrape le coup. C'était juste pour dire, il n'y a pas de masterclass sans Grégo, c'est clair. Ouais, okay. Merci Grégo. Ah non, mais vous êtes tous en train de cracher, sans. Mais vous avez quoi à cracher? Mais pourquoi tu détractes? T'as que des putains d'arabageois, t'as que des pakistanais sur ton live. Là, je te présente un bon blanc, cultivé, intelligent, avec des discussions, et tu fais quoi? Tu non, fais quoi êtes... Tu mets pas un match, t'es sérieuse là? Et vous êtes tous graves ce soir, hein. Voilà. C'est Michel. Minita, est-ce que t'aimes bien le chocolat? Monte ta tête là pour voir parce que... Là, il monte sa tête. Bon, je suis venu pour m'excuser, Mélissa. Je suis désolé, je voulais pas que t'ailles te coucher avec des molars sur la gueule. Voilà, excuse-moi pour toi. Ok. Non, elle est fun. On peut l'applaudir parce que salut sans elle, ça aurait pas salut été aussi Youssef, drôle aussi. T'as déchiré sur voilà, Wesh, parce que j'ai fait... Merci, TV. Mon après-midi merci, parfaite, sachant merci que j'ai pas d'être protagoniste, protagoniste. Merveilleux après-midi. Alors, comment elle s'appelle, c'était son prénom, Mélissa. Elle a géré, franchement, si un jour tu tombes sur cette division... Toujours là, heureusement, toujours là.